T'as pas voulu en prendre. Citoyens du monde, avons été profondément bouleversés par les attentats terroristes qui ont eu lieu ce vendredi 13 novembre à Paris, qui se perpétuent de par le monde. Mali, Égypte, Syrie, Liban, Irak, Afghanistan, États-Unis, Belgique, Angleterre, Centrafrique, Maroc, Russie, Espagne, et j'en oublie sûrement. Face à cette barbarie, face à ce déchaînement de violence et de haine, nous sommes aujourd'hui rassemblés, unis, pour nous recueillir en hommage à ces femmes et ces hommes blessés, tués, uniquement parce qu'ils étaient là, ce soir-là, dans une salle de concert, dans un bar, dans un stade, dans la rue. Uniquement parce qu'ils vivaient leur vie. Beaucoup d'entre eux étaient jeunes. Ils représentaient la France libre, républicaine, démocratique, et symbole de tant de valeurs que le monde entier nous envie. Ils représentaient la France dans toute sa diversité, une France multiculturelle et attachée à des notions profondément ancrées en elle, le partage, la générosité, la compassion. Cela aurait pu être vous, cela aurait pu être moi, c'est ce sentiment de crainte que veulent répandre ces terroristes. Vendredi, ces barbares ont attaqué les symboles que notre pays représente. Notre culture, notre art de vivre ensemble. Ne nous laissons pas empoisonner par le venin de ces criminels. Nous barrerons au contraire la route à tous ceux qui attisent la peur et la haine de l'autre. Plus que jamais, nous défendrons notre liberté. Plus que jamais solidaires et humains. Notre diversité est une force. Notre fraternité une arme. Nos libertés sont un soleil que jamais ces barbares ne pourront assombrir. Rassemblons-nous autour de l'essentiel. Rassemblons-nous autour de nos différences, notre richesse. Et surtout, surtout, protégeons notre jeunesse de l'obscurantisme, d'où puisse-t-il venir. Il nous est nécessaire de faire vivre cette élan de solidarité. Exprimons aux familles, aux proches, aux amis des victimes, toute notre émotion et toute notre solidarité. Et montrons à ces criminels que jamais leur barbarie aura autant de pouvoir que notre cœur et notre fraternité. Ensemble, respectons maintenant une minute de silence.
Si ça tient, mais bon.